Je démarre la 8e saison à Clermont-Ferrand. Nous sommes le 9 juin avec mes bons camarades. Mac, il a mauvaise mine. On avait dit que t'as mauvaise mine. J'ai mauvaise mine ? Oui. Allez, j'ai roulé à 220 à l'heure pendant 5 heures. Je suis un peu stressé. Là. Popo ? Il a roulé à 220. Fabio ? Madame fait du poisson ce midi. Tu peux filmer ce blog là ? Oui, c'est pour 4 mois. Voilà, c'est pour les comptes, comme ça on a une preuve. Il va pas nous voler. Voilà. Ici, par exemple, c'est gratuit. Ouais. Et non, il y a malheureusement. Il y a une promo. Si tu achètes un pigeon, t'as une promo. Un pigeon en litre. Bon, les gars. On édition 2017. 2017, 9 juin toujours. Ouais. Ça y est. Il n'y aura pas d'abandon. Non, il n'y a pas de raison. Non. La belle voiture de Fab. Ouais, on la mémorise parce qu'elle sera peut-être plus là dans 8 jours. Ouais, et on va chercher le chemin. Vous avez pas vieilli les mecs, hein. Toujours aussi jeunes. Hein. Quand même. On a fait déjà 2 mètres et ça commence à pisser. Le parking des Goules, c'est ce que je t'avais indiqué tout à l'heure. Mais bon, ça y est. La terre volcanique. La machine est en route. Tout le monde a bien la caisse, hein. C'est flop. Non. Ça a marché 5 bornes. Ça monte, hein. Non, ça monte pas des masses. C'est un faux plat. Ça monte super fort. Salut. C'est une belle allée. Ouais, c'est la caisse. Ouais, la caisse. Ouais. La caisse. Bip bip. Donc c'est quel cœur qu'on fait là, le puits? Non, en fait le puits. C'est dôme. Ça. C'est ça. Le puits de dôme. Tout ça? C'est pas des cols qu'on fait, on fait des puits. Ouais, puits de dôme, puits de la vache, puits de juste là. Voilà. Alors, on fait pas beaucoup de sommets de puits, parce que beaucoup quand on tourne par la lèvre. Quoi, une histoire de lèvre. On tombe pas dans le boumi, mais on effleure les portes du saloon. Faut pas qu'elle grince, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, vous voyez. C'est bien large, on peut marcher à deux ou trois de front. Ça, c'est cool. À tout à l'heure. Alors, on va au sommet. Petite grimpette, sympathique. Et on n'a pas pris petit train. Crémaillère. On est des ch'tis. Des ch'tis. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, vous le dites bien, ça. Ça va, les filles? Vous appelez comment? Chloé. Et Lucie. Ah, et Lucie. Et Cantalou. Cantalou, alors pour nous, ça y est. Si vous aimez les montagnes, faut venir chez nous aussi. C'est la preuve, regardez. On attend que Aurillac soit en temps 14. Aurillac, mais c'est ça. Ça marche bien là-bas. On va où ce soir? Allez, on va au lac d'Aïe. C'est le sommet du Puy de Dôme. Il y a une vue à 360. Ouais. Il y a l'ours polaire. Séquence photo. Col chic dans les prés, je chante. Col chic dans les prés, je vole. Et tu sautes dans le buisson. Est-ce que je peux savoir pourquoi il y a une halte? Fabio, on est perdu. On est perdu, Fabio, s'il te plaît, non, dis pas qu'on est perdu, dis-le pas, va. Non, on va pas le dire, on fait le point. On fait le point, voilà, on fait le point. Hein. Le GR30, tour des lacs de Vergne. C'est à gauche. Et si tu vois Pessa, on voit jamais mon logier sur la carte. Ouh, Fabio, on fait pile ou face, on fait pile ou face, et puis c'est tout. On a l'air bien par là, regarde. Ah. Là, à mon avis, il y a un claque. Il y a un bus ukrainienne, je suis sûr. Regarde, viens voir, Louis, regarde. On arrive de là. Oh, d'accord. C'est beau la technologie, regarde. Je vais montrer ça en direct. Regarde, on arrive de là. Voilà. Donc ici on doit bien tourner à gauche. Et on est là à gauche. Ouais. Tu vois, donc c'est ici à gauche. On peut pas se tromper. Marielle, rassure-toi, tout va bien. On sera là. Et on dort ici.
On revient dans 15 jours. On te l'a dit ou pas? Non, ce qui est bien, c'est que la semaine est gravée dans le marbre. C'est ce que vous avez dit. Hein, t'es d'accord, Marielle? Du 9 au 15. Juin. Juin. C'est à nous. Oui, parce que le 8, c'est... qu'est-ce qui se passe le 8? C'est l'anniversaire de Fabio. De Fabio. Et le 16? Enfin, c'est l'anniversaire de ma belle, c'est ma reine. Je l'aime. Ah bah, hé, coucou, comment vous allez bien? Vous avez demandé des nouvelles? Moi, ça va très très bien. La caisse. Il y a le popo. Regarde. Voilà, ça discute encore. C'est toujours pas décidé. Si, si. Non, on va faire plus ou face. Moi, je dors là. Ouais. Du coup, j'ai trôné plus que d'habitude. Ouais, mais tu vas toujours sur le trône. Ouais. Bon, les mecs, c'est le premier petit lèche, tu m'aimes, hein? Ouais, hein? Bien. Hey. Alors, qu'est-ce qui a gagné l'étape hier? Il n'y a pas eu d'étape. Il n'y a pas eu d'étape, on est arrivé main dans la main à 4. Bien sûr, ouais, c'est vrai. Ouais, tout va bien. Ouais, j'étais à l'affût quand même. Hein. Mais, on remarquerait. Fabio Mott. Exactement les prévisions. 29h, 19h. On est arrivé même avec 3 minutes d'avance sur le programme qui s'est déroulé parfaitement. Comme prévu. Okay. Comme prévu. Et Fabio n'a pas coulé de bière. Et Fabio, j'ai une première journée, j'espère que ça va pas se reporter sur la seconde. Et le Puy de Dôme, comment vous l'avez trouvé? Dôme. Ouais, plutôt... Touristique. Il y en a un bel aigle qui planait. Ouais. Et on a croisé quelques VTT. Beaucoup d'enfants. Eugénie a dit que, quand même, dans ses trucs d'école de commerce... Castor. Qui montre qu'elle n'a pas l'esprit mal tourné. Voilà. 6h30. Parce que le castor, c'est la bête qui fait sa maison avec sa queue. Ouais, donc c'est pas une motte. Moi, je me verrais bien en aigle. C'est une jouerée, alors. Ouais, parce que c'est le symbole des États-Unis. Ah, et puis que tu. American Eagle. American Eagle, exact. Ouais, exact, merde. Tu te verras en quoi, toi? Ah, enfin, on m'a pas oublié. Merci, Mac. Non, mais moi, c'était super. J'ai passé une super nuit. Il dormait avec François. Qui a dormi comme un Jésus. T'as dormi comme un Jésus. Très, très bien dormi. Et puis là, on part pour 48. 48 500. Ouais, et on doit arriver à quelle heure? 19h30. Allez, je vous embrasse. Bon, bel endroit. Ouais, très bel endroit. Les gorges de la Mone. Si tu sens. Il y a un peu qui est marqué? Bah, Dolmen. Ouais, il n'y en a qu'une partie. Nous sommes en train de faire un photomontage sur les dolmens de la gorge de Mone, de la Mone, du cul d'Unus. Voilà. Voilà. Mettez-vous, il faut qu'il y ait deux places au milieu. Comme voilà, ça. Voilà. Oui, François, c'est bien. Allez, dessac-toi. Dessac-toi, gros porc. Encore un peu. C'est bon, il y a la place pour deux. Ouais. Vas-y. Ouais, j'arrive. Ah, la Mone. Saint-Nectaire, rien que ça, c'est la moitié de notre étape. Quelques cascades, on est au point bas. Et on va entamer notre ascension, 300-400 mètres, au moins. Ça vide, pas toujours très écologique. Ouais, attendez, je range mes cartes, mes camarades arrivent. Allez, c'est pas grave. On arrive des gorges de la Morne. Ouais. Hein? Combien d'habitants? Ça fait longtemps que t'attends, Louis? J'ai fait une petite partie, 30... là, j'ai fait une réussite. Parce qu'en voiture, t'es arrivé... 33 habitants. 33 il est sympa, habitants. Le mec, de t'avoir ramené sur voiture. Ouais. T'as toujours mal? Non, ça va. Ça va mieux? Ton furon. Bon enfoiré. Ton furon. Hein? Ça va, ton furon? Cherchez pas vos amis sont là. Voilà. Hein? T'as chié combien de fois, déjà? Parce que toujours pas. Là, je vais filmer qu'on voit ta perle. Non. Montre. Ouais. Moi, je suis naturel, quoi. Je suis pas dopé, c'est normal. Je vous aime. Bon, je sais pas si ça rendra, mais en tout cas, ça me fait penser au cochon, plateau. Bon, je voulais vous montrer ce chemin. C'est des chemins roulants. On pourrait être à 3 ou 4 de front. Voilà, un petit chemin roulant. Hop. On arrive sur le village
Saint-Nectaire. Pierre Calas. Comme prénom? Ouais, et comme métier, notaire. Oh non, je suis pas intelligent. Faut être intelligent pour être notaire. Non, faut pas être intelligent, faut savoir lire. Il faut apprendre par cœur, faut avoir de la mémoire. Ouais, ouais, c'est vrai. Nectaire Claus. Ah. Attends, attends, répète, voilà, vas-y. Le sachet, messieurs, que le duc de Saint-Nectaire a ramené du fromage local à Louis XIV, qui a tellement aimé qu'il l'a mis à la cour, et il l'a fait comte de Saint-Nectaire. Comte de Saint-Nectaire. Donc, Nectaire n'est pas un prénom, contrairement à ce que pensait Mac. C'est une abréviation, une mauvaise orthographe de Saint-Nectaire. Et son église On mange là, moi. C'est dingue. Ça y est, il dort à l'horizontale. Ça me donne un peu la chair de poule parce que tu dis que tu vas finir comme ça. Ouais. Non, mais moi, c'est assez étroit. Arrête de respirer, on va voir si ça fonctionne. Vas-y, chacun, on y va tous là. Allez. Ça c'est bon, vas-y, recommence. On l'a laissé là. God bless fucking rock and roll, lads. Motherfucker, man. Long life to the true youths. And Florida. Au TPC. Ah merde, il revit. Il ressuscite. C'est bien de croire. Quand tu crois, tu ressuscites. Pourquoi ils ont fait. Posez-vous la question. Pourquoi Parce qu'il posez-vous la question. Attends, le seul mec qui visitait cette église à Saint-Nectaire, il n'y a pas de chrétien ici. Je suis le seul à avoir vu, non, rien du tout. Il y avait un petit clin d'œil dans cette église. Parce qu'il a des tas de trucs à se faire pardonner. Quand il est rentré, l'église a pris feu. Non, j'ai vidé le tronc. Château de Murol, M-U-R-O-2-L-E-S. Non. Important pour le Scrabble. M-U-R-O-L. Ouais, bon, bah, c'est pas grave, ils vont pas vérifier. Tu vois. Le lieu de. On parle politique, Louis. Ouais. C'est ça qui veut bien. En marche. Ouais. En marche. En marche. Et du coup, c'est là qu'ils m'ont envoyé le mail en me disant t'as bien raison. Je pense que du coup, pour tout va. T'as souvent raison, sauf quand t'as tort. Ouais. Et c'est bien que François, c'est qu'il n'a pas peur de dire les choses. Ouais. Ah, Louis. Toi, tu vas voter qui, toi? Attends, là, je filme. Tu vas pas te casser la gueule, hein, Louis. Ah, c'est pour montrer qu'on a des conversations intelligentes. Ouais. Ouais. C'est la même idée au même moment, Louis. Lac de Chambon qui en fait, c'est un cratère. C'est un cratère, un volcan, exactement. Regarde, il y a un mec qui pêche au milieu. Un cratère à minima d'altitude. Ouais. Avec le puits Sancy là-bas, dans les névés, là, je vais zoomer sur les névés. Voilà. Avec l'arrivée du télésiège, là où on le voit. Ouais, il y a ma Sunto magique, les mecs, je voudrais vraiment me dire, on a fait combien là? Là, je dirais qu'on est à... À 987. Combien de kilomètres? 30. Ouais, 30. Ah oh, putain, vous êtes bon. 30,7. Ah, monsieur était de Corse. Mais par contre, vous avez plus transpiré. Hein? Hirondelle. Ok. Combien de langues vous parlez déjà? Toutes. Ça dépend de la taille de la fille. Non, non, mais je veux que 2, 3, 4, ça dépend. Il n'y a pas de bonne taille. À vous, je ne parlais que français. L'important, c'est quand les nombreux se touchent. Ça, c'est bien, c'est la bonne taille. La bonne distance. Il n'y a pas de grande, il n'y a pas de petite. On va voir du lac. Chambon. Moi je fais aussi si vous voulez. De quoi faire? Ça va vous toucher. Moi je fais les 4, vous faites un 7 machin. Après. Qu'est-ce que tu bois, Mac? C'est qui le plus jeune? Non, stop. C'est qui le plus vieux? C'est qui le plus vieux? Là, c'est trop dur. Arrêtez. Votre prénom c'est Lucille, c'est magnifique. J'adore Lucille. Non, c'est ton papa ou pas? Non, tu peux nous laisser tranquille. Ouais, je me casse. Je reviens vite. Il est tellement beau. Il est trop beau tout seul. Allez, on marche au bord de l'eau. Au bord de l'eau du lac du Chambon. Vous auriez une nous prendre, monsieur? Oui. Merci. Le mouton blanc qui est là. Ah, oui. Au sud, là. Non. Vers la Sardaigne. Regarde la plage de Corse, là-bas.
Non, quand tu vas vers le sud. Putain, vous avez plus vite. Ah ouais, on marche là-bas. Là-bas, on avait été manger, il pleuvait. Avec les bateaux. Bon, c'est presque ta Loire, mais c'est pas ta Loire. C'est un beau lac, d'eau douce, truite, carpe. Sandre. Il y a tout âge, il y a famille. Il y a de la Lucie, tu peux attraper au Florent. Et Sonia, je t'ai trouvé une petite maison ici. On va vendre la Corse. On va habiter ici. C'est un hôtel, un grand hôtel. Et je t'ai acheté aussi un VTT. On va se mettre au VTT. Oui, comment ça s'appelle en Corse, hôtel au sud de Porto Vecchio. La chaîne des puits. Ushuaïa Nature. Manque un peu d'eau quand même. Remarquez un peu ce bocage normand. Auvergnat. Magnifique. Là-bas en face, on était là-bas il y a quelques jours. Il y a deux jours, hier même. Tu le vois le puits de Dôme là-bas ? Ouais, je vois la. Linus. Oh, Linus. C'est perdu. 1200 mètres d'altitude. Oui, nous sommes à 1200 altitude. L'euphorie de l'altitude est toujours là. La bonne humeur aussi. Les fucking paysages. Un ciel bleu, d'un bleu qui sont encore plus bleus que mes yeux. Alors je peux vous dire que vous y allez. Et Linus, toujours Linus, encore Linus, et vive Linus. Linus un jour, Linus toujours. Un pont, un ruisseau, un lavoir, un torrent, une maison en pierre, une route, et on arrive à 48,5. Il nous reste aller 2-3 km. Voilà, hôtel de la Providence et de la Poste que j'ai gagné sur un brillant sprint à 100 mètres de l'arrivée. Son mausolée et un temps de folie. Allez, on va se reposer. Ah, il est tardif. 5 minutes de retard. On avait dit 6h ce soir. Ouais. C'est le premier carré moi. 6h un carré déconne. J'ai baisé deux fois. Dans les gros enculés. Ah, ça va. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Bonjour, monsieur. Bon, t'as bien dormi ? Non, très mal. Nous, on a pas mal aux jambes. Toi, non plus. Non, j'ai pas mal aux jambes, je prends un petit Phénix par précaution. J'ai mal partout. J'ai mal au bout des pieds. La hanche, la hanche, la hanche. Hein ? Est-ce qu'elle cuine, la hanche ? La hanche, putain, les deux, elles cuinent. Bon, c'est l'impression d'avoir ma mère, d'être évité par ma mère. Café et non d'alors, je vais prendre un thé. Un thé ? Un thé ? Oui, oh, un thé change. Si vous avez une rondelle de citron, monsieur, s'il vous plaît. Une rondelle de citron ? Ah, oui, ouais, deux, oui, pour chacun, oui. Merci, monsieur. J'ai pas très bien dormi. Bon, nous sommes le dimanche 10 juin, c'est les élections. Ouais. On va ici voter en direct. Alors, moi je monsieur, suis. Monsieur Collier. Moi je vais voter aujourd'hui, moi je suis en marche. Elle est facile. Paniquer, j'arriverai. Elle est facile. Pourquoi tu dis ça? Qui t'a vu premier hier soir? Non, on s'est fait niquer, Mac et moi, on discutait tranquillement avec cette dame qui habitait Chamonix, qui avait des pieds qui ressemblaient à des pieds d'éléphant. des poteaux électriques, ouais. Des pieds électriques. Et pourquoi tu regardes les pieds des vieilles dames d'eau? Non, mais je discutais avec le Mont Blanc, enfin bref. Et puis d'un seul coup, il y a deux petits bâtards. C'est parti en sprint. Qui regardait comme ça, on y va. Puis, mais en sprintant, on était 10 mètres derrière. Il y a eu 20 mètres de plus, on vous mettait profond. Allez, bon, après, qui est arrivé en haut des montées, Monsieur Belperron. Oui, alors moi, c'est En Marche. Et dans la commune de Bondu, la représentante s'appelle Petit. Oui, Valérie Petit. Voilà. Avec un nom pareil, on peut pas dire En Marche Petit. Un petit. Il va avec le petit. Voilà, exactement. Et des petites portes de saloon aussi. Et moi, je vous laisse les arriver aux étapes sur le plat parce que ça m'intéresse pas. Ouais. On a cru comprendre. Okay. Ok. Monsieur Mott. Pour les étapes, je suis d'accord avec Mac. Il y a que la montée qui compte. Moi, je vote pour Vincent Ledoux. Vincent Ledoux, un homosexuel. LR.
Ouais, il a fait son coming out. Mais bon, toi, ça te fait pas peur. Je vote pas en marche parce qu'il faut pas leur donner d'accord. un blanc-seing. On va demander à monsieur. Monsieur, vous votez quoi aujourd'hui? Je vote pour le soleil. Le soleil. Voilà. On sent le commerce. Si on est bon, on est partagé ici. Voilà. Vous êtes partagé entre le soleil et la pluie, non? Non, non. En marche. Non, il y a du en marche. Il y a du en marche. En marche. Bah, en marche, vous êtes en plein dedans, mais bon, après. Oui, ça, c'est clair. Voilà. Non, il faut les surveiller avec attention positive. Il faut leur donner carte. Vous votez par correspondance ou non? On vote pas. En plus, vous voyez, ils discutent, ils s'en foutent de ce que je dis. Je suis caméraman ici et moi je vote pour la majorité. Pas pour qu'on compte les socialistes, c'est fucking motherfucker. Bah, je vous embrasse, à tout à l'heure. C'est quoi le syndicat des caméramans? Excellent, mais la je pense qu'on va encore mieux dormir. Oui, il n'y a pas d'alcool. C'est de la verve même. Ah oui, mais c'est la liqueur verve même. Le canard, c'est le canard est plus extra. Oui, ça vous a plu. Oh, ouais. On a trop. Non, non. On a le petit film. On a mangé. Mais là, le problème, c'est l'escalier. En plus, justement, vous allez rencontrer. Ça, c'est super best, tu crois? Ouais. C'est les... Oui, c'est le whisky. Ah oui? Non, pas ce village. Non, pas ce petit. Non, ça, oui. C'est le plus de Sancy, là, au fond. Non, super best, c'est une ville. On va les remonter mécanique. On va venir skier ici. On a acheté un chalet pour Sonia. Ici. Ouais. Avec quand même une citerne de Jet 27. C'est une voiture qui arrive. Il serait con de te faire de sortir des... Bah, on va la prendre en photo parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de voiture ici. On démarre, hein, on démarre. Regardez comme c'est beau. On s'en lasse pas. Une montgolfière, je ne sais même pas si on la voit, tiens. Ah, si on la voit. Et la Puy de Dôme. Regardez, on vient là-bas. Oh, arrête de trembler. Non, c'est... à faire, c'est sûr, à faire. Il y a refait. Tu vois, le diamètre fait 1 km. Bon, Superbesse en Auvergne, maintenant vous saurez ce que c'est. C'est une nouvelle station de ski. Donc Sonia, l'année prochaine, Superbesse, sache-le. Donc rando, Superbesse, ski alpin, ski hors-piste, canoë, kayak, rando, canyoning, VTT, tu vas avoir un corps de rêve. Puis-je ajouter une note scientifique? Il y a ici un... Vous ajoutez une note scientifique. Scientifique. Ce lac. Il a que 6000 ans. Que 6000 ans. C'est le plus jeune de France. Ouais. Ben, Sonia, elle a que 37 ans. C'est la plus jeune de France. C'est... Super Bess en face. Ouais. Et Bess. Ta culotte. Ça dépend de la tronche du mec. Hein. S'il te reçoit avec un fusil, viens. Lui, il adore polémiquer. Il sort ses potes. Oui, c'est pas. C'est magnifique. À perte de vue. Bon, je me ressasse, je redis les mêmes choses, mais on va revenir. Non, non, vous ne trompez pas, c'est pas les camping-cars que je filme, mais c'est ça. Alors, on arrive là-dessus. On va mettre l'appareil photo sur la brique, d'abord. Et comme c'est la fête des pères, on va souhaiter une bonne fête à Patrice. Notre président d'honneur. Notre père spirituel. Dénus. Spirituel et pour ma part, géniteur. Génital. Ouais. On n'a pas encore parlé de cul ce matin, mais il est 8h30. Il y a un petit bébé à la fenêtre. On s'est égaré et il y a un bus ukrainien qui vient d'arriver. Voilà. Regardez. En marche. Voilà, regardez ça. C'est qui les meilleurs? Oui, c'est nous les meilleurs! Oh là là là! Ils vont à la retraite! Bon, allez, je mets monsieur tout de même parce qu'il s'est perdu! Allez, top! Petit grappette! Histoire de durcir un peu les jambes et de mériter arrêt au
le sommet de cette côte. On marche. Bah, tiens la vite, ça, c'est sûr. Ah, t'as la caisse, nous, t'as la caisse. Et le doyen, il peine un peu aujourd'hui. Il paye ses 100 mètres de sprint à l'arrivée à 49 km. Bon, vous maignez ou pas, bande de tafioles? Là, j'ai un TGV à prendre, là. Vous dépêchez là. C'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas bien vu là. C'est pas la ligne d'arrivée les mecs. Hein. Ah, Louis, passez mieux. Passez mieux. Oh, là, là. Et là, comment vous allez faire pour faire les chambres? Bah là, c'est fait ça. C'est fait ça? Ah bah quand même. Putain, vous êtes super rapide. Mag premier. Franchissement d'un obstacle très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Extrêmement. Oh là là, Fabio, attention! Ta femme et tes enfants, pense à eux. Il y a des poissons? On aura mangé ce soir. Oh là là. Ah, vous avez fait de la gym, vous. Hein? 40. Ben, Saint-Genès-Champespé, c'est la troisième étape. Oui, il lève les bras. Manifestement, j'ai pas eu la bonne tactique. Regardez, ces bâtards, ils se marrent. Ça, poulet d'or. Vraiment. Bon, on entame le puits Sancy, plus haut. Il est un peu dans les nuages. De l'Auvergne. Nous n'avons pas eu la personne la plus aimable à l'hôtel. Vous dire, même pas très sympa, parce bah, qu'on n'a pas eu de petit déj. Elle était au maximum de ses capacités. C'est l'Auvergne, hein. Ouais. Non, c'est pas toujours très sympa. Ce qui me surprend, c'est qu'on n'a pas le sens du commerce. Ils sont pas commerçants. Et ils sont radins comme un Auvergnat, et ça, c'est pas usurpé. Ah, c'est vraiment la réalité. Ils ont donné quand même 3 présidents. Ouais. Giscard, Pompidou. Ouais, on n'a pas regardé si Giscard passait ce matin. Musée Pompidou. Ouais, musée Pompidou. George. Est-ce que tu arrives à voir le sens? Tout à l'heure, on le verra. Ils sont beaux hein, le matin, comme ça. Il est 6h. 2, précisément, parce qu'on n'a pas le droit au petit-déj. Mac nous a gentiment donné des... Mais heureusement qu'on a eu des belles vitas de Mac. Belle vita. Il faut toujours un cerveau dans l'affaire. Ouais. Mais visiblement, c'est ni Louis ni moi. C'est pas obligé de mettre dedans, c'est... Oh, écoute, tu parles pour toi. Vous avez des... solidaire, Louis. Vous avez des crèmes chauffantes, vous avez tout ce qu'il faut. Ouais. Ouais. Ternaire, regarde une carrière de ternaire. Ah, Scrap, il voit ça, il est à la gauche. Ouais. Tu vois, Scrap, on pense à toi. Il en faut surtout le golf. Donc c'est huile, on met partout. Puis c'est huile, il va mettre ce truc. Mis du shift. Du shit. Du kiff. Ah, je sais plus. Est-ce que t'as vu la lune? Quand même. Qui est le témoin de la terre. Youssef Tau. Bon, allez, bonne journée tout à l'heure. On va à notre premier petit déj. On a quoi? Un Guérant? Non. Écheron? Non. On va à la gare du Nord. Au Café du Nord, pardon. En fait, on est. À la boulangerie? En fait, on est près de Lille. Oh, bah. Oui, bon, on est à Paris, quoi. On est dans la banlieue parisienne. Et on va jouer à Compiègne tout à l'heure. On est bien content de déjeuner, hein. Ouais. Parce qu'on est... on a fait 13 bornes. Et elle est vraiment chouette. Ouais. Nickel. Il n'y a plus de sens. C'est un... Mais vous êtes où, là? Je vous cherche. Vous êtes perdu dans la montagne. Il y a Mac, là, je vois... Je vois un molosse de fourmi là qui est en train de se balader là, tout seul. Il doit faire 0 degré. On est à 2800 mètres d'altitude. Je sens rien. Je suis bien. Bien. Et c'est là, ils vont pas me l'enlever, ces bandes de Tarlouse. Que je vous aime. Bon, 360. Les névés là. On est au-dessus des névés. Plateforme.
là, il y a une ville. Ça peut être super baisse. Qui peut être une station avec son lac. Et les deux microbes là, qu'on appelle le Pantani italien et le croisé cacabri. Mais bon, apparemment, les montées au puits de 106, ça doit pas être votre truc. Hein. C'est bien les petits sprints de 50 mètres, comme des tarlous, comme des petites pétouilles que vous êtes. Bon, puits de 106, 1885 mètres, faut y aller, faut aller chercher, quoi. Faut aller mouiller la chemise. Faut aller partir de loin, je vous l'accorde. Je vous l'accorde, mais c'était la seule chance. Allez, à tout à l'heure. Je vous embrasse, je vous aime, ciao. Bon, je vais faire un petit peu de 54 mètres. Il n'y a personne, ils sont en train de la faire à l'envers, mais bon, les mecs, ça n'a pas marché. Vous m'inventez encore, il est arrivé à je ne sais pas où, machin, truc. Je sais, là, pourquoi vous n'avez pas monté. Je vous embrasse. Ils sont partis, ils se cachent. Je vois qu'ils se cachent. Ah oui, c'est des virages relevés. Voilà, comme l'été, il manque d'activité, ils ont fait un petit tour. Alors, vous allez passer là-bas. Sur cette crête. Au-dessus de la barre rocheuse là-bas. Canon. On en voit un qui marche là-bas. Ouais. Il y a un mort par semaine, mais c'est pas grave. Non, mais vous avez une salle de jeu qui est extraordinaire ouais. Ici. Alors vous allez passer là, puis vous allez descendre, les clients, ça s'appelle. Vous allez arriver vous passez sous ce champ là. On voit, ça fait un champ qui est. D'accord. On voit les mouches. À gauche là, le monticule là, c'est le capucin. C'est ça le capucin. Ouais. Et nous on bascule derrière. Et on passe un peu derrière. Vous allez descendre dans le bois. Et après, la bourboule, c'est plus là. Tu peux répéter ce qu'a dit monsieur ou pas? Il est quel âge le téléphérique, un certain âge? Il y en a deux. Il y en a un à droite là. Comment ça va ton ampoule? Ouais, ça va. C'est pas terrible. Le petit là. C'est le vieux, je dirais ça en descendant. Voilà. C'est quand même. Moi, je suis désolé, je prends des photos. Hein. On a déjeuné là, sur le petit caillou au sommet. On s'est fait un ami. Un bunya, c'est ça? Un bunya. C'est le nom barbare patois des Auvergnats. Nous sommes des ch'tis. Passage délicat. Ouais, mais t'es pas sûr d'avoir de la neige, toujours pareil. Qu'est-ce qu'il disait le gars? Il y a 2 mois de neige. Il y a 2 mois de neige, c'est un peu court tout. Février, mars, terminé. Beautiful, awesome girl, boy. Ouais. Yeah. C'est une belle étape ce matin. Allô. Ouais, enfin, écoute. Ça va, Poupou? C'est une belle étape quand t'as des compétiteurs. Hein. Quand t'es tout seul, c'est pas drôle. Ah, non, mais. pour gagner une étape, tu te fais ton étape tout seul. Ouais. Tu te fais ton seul. Ouais, t'as raison. Moi, je dis que t'as gagné le puits de Sancy d'en bas. j'ai gagné au 7ème kilomètre seul, en solitaire. Ouais, ouais. Dans la dure. Mais manque de peau, il a pas fait le bon sommet. Par exemple, l'endroit. Voilà. C'est crête. À droite et à gauche. Bon, ça va peut-être pas rondre. Mais nous, ça parlera beaucoup. La dent du géant. La mini dent du géant. Petit précipice, un peu moins à gauche. Salut loser! Allez, il faut toujours un qui se fasse plus intéressant qu'un autre. Allez, comme il n'a pas gagné l'étape du puissant 6, il faut bien qu'il gagne quelque chose. Donc on va lui laisser la photo du névé. Voilà, il y aura la photo du névé. Il sera le deuxième, parce que j'aurais déjà eu la première. Tu crois que ça sert vraiment de jouer au con? La neige au printemps, Mac. Qu'est-ce que t'as à dire à Marielle? Pourquoi tu parles jamais d'elle?
C'est beau. Bon, ça. C'est bien de qui ça? Ouais. Bravo, faites bien votre. Petit briefing sur la dernière étape de la journée vers la Bourboule. Voilà, il y a une petite accrobranche qui est en train de se préparer pour les vacances de juillet qui vont pas tarder à démarrer. Tu vois le sac, je vais le mettre à la machine aussi. Ouais, t'as rien à mettre. François, reviens. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Un Christy, qu'est-ce que tu lui as fait? Non. Non, Fabio, non. Adieu, non. Monde cruel. Ah non, adieu. Vas-y, Mac. Ah, une petite sieste. Allez. Adieu, monde cruel. N'oubliez pas de tout me donner, si vous voulez. On va signer un papier, oui, d'accord? Je te lègue tout. Tout. Femmes, enfants et dettes. Non, non, les enfants, les femmes, je prends pas. Les je dettes. Prends le tour pognon. Moi, je te file mon relève pitch, il est vachement bien. Ah oui, ça, je prends. Je prends ton. Ton wedge. Ouais. Ah, j'en ai deux, hein. Bah, je prends les deux, le 56 et. C'est bon. Moi, je le 52. Mon robot cuisinière, là. Non, j'en veux pas, ton bazar. Ton Vervoque pour Sonia. Sonia, ça y est, c'est bon. On est riche. Ouais. Et François, putain, tu me donnes quoi? Tu me donnes quoi? Moi, je te donne. Ah, là, ta sympathie, c'est déjà pas mal. Je te donne mes clubs de golf. Ouais. Je te donne une victoire sur le GR30, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Tu as déjà une? Ah, voilà, ça y est. This is the end. On appelle ça une yourte. Voilà. Ce qui est inquiétant, c'est que. La bonne femme, elle se marre. Elle a pas du sérieux depuis un petit elle moment. Elle se marrait que voilà, le fait de louer ça à 4. L'intérieur, voilà notre yourte où nous allons faire notre première nuit d'amour. Alors, essuyez vos pieds avant, s'il vous plaît. C'est tout rouillé. Non, j'ai pas changé. Moi, j'en ai emmené une. Oui, mais moi, on va sécher en courant tout nu. On a fait pire comme logement. Rappelez-vous là. Eh oui. Oh. Ah, oui, mec. De la Strom. Ouais. Pas du Big Fest. Last but not the least. On a évité la yaourt. We hope so. Hein? On a évité la yaourt. Ouais. Belle initiative, non, François. Tu peux dire que ça, c'est yaourt des temps modernes, quoi. Mais elle est dans la caméra, donc on a vu ce que c'était. Je pense qu'on a mieux dormi ici. Nous sommes au hôtel Regina, à la Bourboule. Mais au moins, on a des anecdotes à dire. Voilà. Bon, l'arrivée est tenue par une américaine de Rochester, New York State. Exact. Siège du feu compagnie Eastman Kodak. Voilà. Qui s'est pris une dégelée, oui, puis bon, les numériques. Photos numériques. Qui l'ont ratiboisé. Exactement. J'ai vu une bonne petite bouteille de Côte d'Auvergne. Côte d'Auvergne, très très bon, pas mauvais. C'est vrai qu'il est bien. C'est un cas d'école, le Kodak, dans les universités. Et après, on va à l'aventure Michelin. Hein. Ouais, l'aventure Michelin. Ouais. Ah, belle montée ce matin, le mec. Hein. Ouais. Belle grimpette, là. Déjà, là, dans 20 minutes, là. 500 mètres, 500 mètres. Sur 2 km. Je suis désolé. Ouais. Donc, avec les marches. Je suis avec les marches. Mike, il y a une petite affaire à faire. Petite affaire matinale, normal. Une demi-heure après, ça fonctionne. Il y a un tube digestif extraordinaire. Regardez ce beau buffet que cette dame nous a préparé. Il y en a qui doit être humotier au bardel. Il a réglé le papier. Regardez ça. Et puis moi, si vous me demandez si j'ai passé une super nuit, ouais. Je vais dire, j'ai tellement fait une solitaire hier soir. J'ai refait le match, je suis encore dans mon lit. 7 heures, non, pas 7 heures, parti aux 7 km. 2 heures, 1 heure et demie de solitaire, c'était un bonheur. Et j'ai passé une nuit de Jésus en vainqueur, dans un grand lit à la Bourboule. Ah, qu'est-ce que c'est beau la victoire. Mais je sais bien l'idée, nickel, les deux petits PD là à côté. Oui, au PSG Marseille, et il va jouer à Strasbourg. J'ai éteint, donc tu verras pas. Allez, à tout à l'heure. Encore
encore une image, un point de vue qui nous semble magique. Alors, c'est une route, ça arrive. Il y a Mike qui veut faire des approches au golfe du Régulé. Ah, Mike, il veut montrer ça à ses camarades que maintenant il guérit. Exactement. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Après, on va aller faire une opération sur le golfe du Régulé. Ouais. Je pense que ça va être une formalité pour moi. Avec ses nouveaux clubs. Ils ne sont pas encore arrivés, mais quand ils vont arriver, ça va décalquer. Ça va être une tuerie. Bah, je les sens, je sais pas pourquoi, psychologiquement, je sens que ça va être une boucherie. Une boucherie, dans le bon sens. A slaughter. Voilà, petit clin d'œil. Bienvenue au golfe de Mont-d'Or. Ouvert tous les jours. Ouvert tous les jours. Président François Cueillet, il est partout. 1927. 1927. Bon, vous voulez pas boire une chope? Non. Non, non, parce qu'il reste garde. Ouais, on n'est pas en retard. Mais bon, si vous voulez pas boire, non? Non, mais si vous voulez, vous voulez. Il sera compliqué, mais vous allez voir. Regardez à quoi ça ressemble. Mac, tu veux quoi? Regina. On est au Parisien. Rive gauche, gauche, c'est au sud. Je sais plus, là, j'ai cette heure-ci. Piscine. Belle piscine avec un jacuzzi, hammam. Et là, on voit le hammam. L'Allemagne, la preuve. Bon, un peu froid l'eau. Un peu froid. Regardez cette fresque murale. À 9h de Paris en train, donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas grand monde. Son clocher, on est en plein milieu de la rue, il n'y a pas grand monde. Donc, les petits camarades. Il est 6h20. Ça me va bien. Nous sommes sur le pont de la Dordogne. Premier objectif. Sa rivière. Et voilà, et on va là-haut, là. Là, petite grappette sympa, en trottinant, très bien. Non, François, viens avec nous. Viens avec nous. Non, François. Ouais, ma femme qui va être contente de ta connerie. Là. Je suis pour rien, je le jure. Je suis pour rien, j'en ai pas parlé. Ouais, mais nous, on en parle pour toi, ça c'est sûr. Là. Ah non, c'était Mike qui a démarré. Et c'est vrai que c'était une bonne humeur. Ah, de bon matin. Moi, je vais. Qu'est-ce que tu vas dire plus sur le sujet? Parti pour la dernière journée. T'as reçu un texto de Marielle ou pas? Non, non, non. Rien depuis sa nuit. Ah, Marielle, j'espère que t'as pas fait l'insomnie cette nuit. Ouais, pauvre Marielle. En tout cas, tu nous as déstabilisé notre petit Fabio. Là. Il a pas pu descendre. T'es contrarié. Oui, t'es contrarié, ouais. Je vais faire. J'attends que vous arriviez là. Pas vos transpiration. Non. C'est sec. C'est sec. Sec. Puis gros, puis Mahé. Et la bourboule là-bas en bas. Ouais. Et le golf. Voilà. De nuages. Les plaines vallonnées du Kansas. Ouais. Là, à cheval, on peut galoper. Faut pas. Ou faire ton sport. Faut pas qu'on traîne. Du kitesurf. Avec le jet lag, je sais pas si on va pouvoir récupérer le décalage horaire demain. On leur dit qu'on était pas en France ou pas? Ouais, non, on est au Kansas, Kentucky. Ah, Kentucky, c'est plus boisé. Oklahoma alors. Ouais, ça peut. Oklahoma, mais l'Oklahoma, c'est moins. Capital. Oklahoma City. Oklahoma City. Kansas, capitale. Topeka. Et Kansas City, c'est au Missouri, il faut pas se tromper. D'accord. Les gens font souvent l'erreur. Magnifique plateau du Guerrier.
que je viens de filmer juste avant. Magnifique vue sur ce point puissant-ci que j'ai facilement gagné hier. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? La guérille de The. Pour tournoi. La boboule 5 bornes. Et c'est pas possible. Lac de guérille, une. Tous les. Encore, je le trois fois. Vas-y, là, c'est bien. Si tu veux chier, vas-y, chier. J'ai du PQ, hein. La guérille. Hein? Mais tu es ton objectif. Hein? Oui, une voiture qui passe. Putain. Allez, oui. On va en bas. Et regardez le point de vue qu'on a. Je sais pas si vous voyez. Et là-haut. De dôme, c'est là où on va tout à l'heure. Il y a une trentaine de bornes. Ça fait une belle journée à plus de 45. Donc voilà. C'est six Omble Chevalier. 6 par pêcheur et quelle taille? Le taille minimum c'est 23. Bonjour monsieur. Nous, les bécasses, on donne un carnet. Oui, mais aussi, c'est pareil. C'est pareil. Chassez aussi. Vous avez fait un peu de bécage vous aussi? Non. La besace est pleine. À quelle heure on doit arriver? Midi et demi. Bon, on vient avec le rosé. Attendez-nous, le GR, il s'en va bientôt à droite, quelque part ici. Hein. Il va y avoir une marque à droite, Mac. Ils vont aller brouter. Pas le poussis, mais l'herbe de... d'Orcival. Il y en a qui est blessé. Elle est blessée, celle-là. Comme bonjour, monsieur. Il y en a une qui boite. Hein? Ça, c'est le mal, ça. Bon, j'étais très passionné par votre papa. Ouais. Voilà. Qui a. D'où êtes-vous? Ah, nous sommes du genre, des gens du Nord. Du Nord, ouais. Voilà. Donc, on fait le tour de l'Auvergne, le GR30. Ouais. Et votre papa, pour moi, c'était l'Europe, etc. Donc, je vous embête, hein, c'est pas grave. Continuez. Alors je filme, voilà, on pourrait résumer ça, ces 3 jours, spécialité de Verne à vendre. On revient dans 5 ans, on espère revoir encore cette basilique d'Orcival en même état. Ah, pas de se péter la gueule. Non. La basilique est trop tôt, là. Ah, c'est un truc de charme. Voilà, c'est un peu boulesque. Château de Cordès. Non mais j'en ai une. Mais quand je vois ça, c'est... Ah, c'est pas la même dimension. Non. Non mais ça fait plaisir. C'est beau quoi. Là. Chambord. Quand on avait visité Chambord. Allée de bordée de tilleul. Tilleul. Ah, c'est beau. Le chrétien qui rentre à la maison. Le marquis de Cordès. Hey, c'est pas dire à qui ça appartient. Si ça appartient pas au Michelin. J'ai vu que le paysagiste est de Le Nôtre en 1695. Mais en tout cas, c'est super bien entretenu. Dans le trou du cul du monde. Bon, les mecs, c'est la dernière là. Dernière pause avant l'arrivée. J'en peux plus. On a fait que 31 km là. Combien? Non. 30. Et il reste encore 15. Qu'est-ce qu'il vient de faire avec moi? Oh, ça va, merci. Madame, je vais vous demander un ferry avec moi. Putain, je la caisse. Bah, ça tombe bien. J'avais pas envie de terminer en solitaire. J'en ai marre. Ouais, t'as raison, Raymond. Raymond. Bon. 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 Si, mais bon. 500 derniers. Bon, allez, c'est les 500 derniers, là. Mac. Il y a une belle allée. Comment ça s'est passé, là? Aujourd'hui, c'était... Allez, le doyen, vas-y. Aujourd'hui, c'était très, très dur. Ouais. Un dernier kilomètre, on ne voyait plus le bout. Là, il reste 400 mètres.
et on y va avec les dents. Ouais. Tu l'as fait la il y a comme il y a des larté ou pas? Regarde le déchet à côté de moi. Et Pops, ah, il y a le sourire. Ouais, il y a mal aussi, sourire, ça c'est marrant, il a mal, il sourit. Mal. Ils ont mal en souriant, tu vois. Rigole jaune. Rigole hein jaune. Rigole ouais. Jaune, mais c'est comme ça, putain. Ça y est. Il a mal, hein. Ouais, elle est belle. Oh, c'est une belle amitié là. Hein ah, là c'est long là. Ça manque un peu là. Ouais, ouais. C'est bon ça. Allez, encore du virage. Hein là. 300 mètres. Interminable. C'est au bout de la ville. Oh, j'ai mal dans ce coup. T'as gonflé ? Non. Allez. C'est toi Louis, t'es en pleine forme ? Je suis. Voilà, on est content que ça se termine. Là, je me rappelle le virage et après. Voilà, on est en haut du puits de dos. Et voilà Francesco, El Pelo, El Presidente pour encore quelques mois. Voilà, ah, vous allez voir le FAP, voilà. La station météo du puits de dos. Voilà, et notre caméraman favori. Des Flandres. Voilà, on a un panoramique de malade. Il y a Loulou là, il a la caisse là. Ah ouais, ça y est, là il y a la. Dans l'autre sens, mec. Ah merde. Je pense que soit c'est l'intox, soit c'est déjà parti là. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Fab? J'en pense que. Je suis au bout de ma vie. Non. Ah non, Fab, non, pas toi. Faut courir un peu là. Non, non, franchement, c'est fou. Non. Elle avait pas mal, hein, dans le sens, vertical, tu m'as dit. Pour la vidéo ou pas pour la vidéo, je vois qu'il filme encore. Voilà, merci. C'est bien, t'as bien appris. Pourquoi tu filmes mes pompes? Ton ventre. Mon ventre. Avant, après. La même idée au même moment, Louis. Lac de Chambon qui en fait, c'est un cratère. C'est un cratère, ouais. On voit le corps, exactement. Ouais. Il y a un mec qui pêche au milieu. Ouais. Un cratère à 1000 mètres d'altitude. Ouais. Et on va mettre le sens ici, là-bas, on est élevé avec le tout, c'est au milieu. Avec l'arrivée du télésiège, là où on voit. Ouais, il y a ma sulto magique, les mecs, je peux vraiment nous dire. On a fait combien, là? Là, je dirais qu'on est à... 987. Combien de kilomètres? Une nature. La chaîne des puits. Dénus. Oh,
Linus. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai perdu. C'est, on se demande ce qu'on fait là. Hein? On se demande. On se repose. On est au paradis là. On arrive dans le Wyoming. Non, un mode de dingue. Il y a un reportage, c'est le monde ouvert, c'est que lui ici. Ah, mais enfin là, avec les barbelés, t'en aide. Ça va être plus d'avoir des coins où t'as. En tout cas, là, c'était bah. C'est la corde à nœud qui est devant. Regarde, mais Fabio, regarde, alors, c'est ça qu'il faut regarder. Quoi ? On va où demain là ? Là, il coupe. Ah, vous allez par là. On est où là? On est là. Là, là. On va déjeuner là. Bess. Non. Saint-Anastèle. Ici. Non, non là, vous là, êtes là. Là. Bess, Bess, vous Bess. Êtes là. Oui, on Bess. Est là. Et on va déjeuner ici. Voilà. Bess, t'es culotte. On va dormir. On va dormir. Quelque part par là. Là. Ah oui, c'est un jeune. Ah oui, c'est une petite étape, ça. Allez. Allez, monte les escaliers. Allez, vous coucher. Hein? Et il fait votre fanfaron tout à l'heure, tu aurais vu descendre. Allez. Oui, parce que c'était je tue à froid. Allez, cours, cours, cours. Allez, cours, cours. Allez, cours, cours. Alors, 6h30, nous quittons le village de Bess. Best culotte. Et après une nuit, en ce qui me concerne, un peu agitée, quelques douleurs au bout des pieds, dans les épaules, les hanches de maman. Louis a bien dormi. Il a apprécié le confit de canard d'hier soir. Bon, météo magnifique. On remonte dans les rues. On est reparti pour 50 bornes encore, il faut être fou. Faire ça à nos âges. Mais bon, les bonnes nouvelles, c'est quand même que tous les gens qu'on rencontre nous disent qu'on fait 40 ans. Donc voilà, ça c'est très encourageant pour l'avenir. Donc, on va pas s'arrêter. De sitôt, il y a pleine lune là-bas ou presque. La place du village de Bess. Bess qui est en dessous de Super Bess. Allez, à tout à l'heure. C'est apaisant. Hein ouais. 7h. Non, pas. Ah non, on est bien. Un bon petit déj. Demain, on touche la neige. C'est ça qui est dingue. Ouais. Il y a neigé il y a un mois ici. Aujourd'hui, on va dire qu'il ne va pas neiger. Non. Nuage, contre le ciel. Ciel. Sky is blue. Bon, je mets de la crème derrière mes genoux. Derrière les genoux. Là, je vais tout seul ici. Ah oui. Tiens, filme ça qu'il voit. Tu vois. La sapinière. Absolument magnifique. Alors aujourd'hui, c'est les élections. Alors on a tous décidé, sauf un, qu'on ne nommera pas, que nous étions tous en marche. Il y en a un qui ne votera pas En Marche. Il y en a un qui va voter Républicain.
Bon, c'est le plus vieux, on va le dire, le doyen. Ici, c'est... je crois qu'il y a de la place. On peut même faire un 7000 mètres. Voilà, ici, on a un projet de faire un golf. Je ne serai pas président, sauf s'il n'y a que 4 membres, Linus. Là, je veux bien. Et François, pas dans la vidéo. Non. Car Fabio, il a fait un truc, mais dingue. Ah, tu vas regarder, je vais prendre la photo. Ah, puis la petite piste derrière. Ah oh oui, ça recommence. Ouais, ça recommence, non, c'est bon. Oh, putain, t'as fait un loup. Et là, je recommence. Un raisin. Alors, je suis fier de toi. Ah, c'est bon. Bah, tu vois, dans le mental, tout est là, puis le travail d'équipe, on t'a aidé. Eh, hey, François. Oui. J'ai une caisse aujourd'hui qui ne peut pas t'imaginer. Chier avec ses copains, ça va tout mettre beaucoup mieux. Alors, comment ils vont, Linus? Telle forme. On s'est trompé d'une semaine sur la fête. La fête des pères, c'est pas aujourd'hui, hein. Ah, non. Encore Fabio qui a voulu se mettre en avant. Ouais. Quel embobineur, hein. Ouais. Un Rital, pas pour rien. Bon, on est bien, on est en pelle. C'est vrai qu'on est pas mal. Et qu'on sait pas si on va rentrer la semaine prochaine. La Gaudivelle. Combien la Gaudivelle? On va à la Gaudivelle. Mais c'est pas là qu'on mange. C'est dans 15 bornes. Et très exactement 10h10 et nous sommes partis à 6h30. Si je ne dis pas de bêtises, nous avons rencontré jeune femme, sexa, septa, génère, qui votait tous en marge d'ailleurs, ce qui est plutôt de bon augure en fonction du camp dans lequel on se situe. On a une petite grimpette là qui était sympa, on est parti groupé, on a fini groupé avec des efforts divers pour les uns et les autres. Du plaisir. Ah, petit parache, petit veau. Voilà. Ça, c'est très bon dans mon assiette. Quelques semaines. Escalope de veau. Voilà, c'est ce que je cherche à mes enfants tous les 10 ans. Ils n'aiment pas. Chaque fois, je me fais engueuler parce que je finis pas dans le bon sens, dans le sens horizontal, pas le sens vertical. Il faut pas contredire notre manager. Voilà, nous sommes sur les crêtes après le puits de Sancy. Une belle course. Bon, Loulou est arrivé le premier, mais il n'est pas arrivé à destination, c'est ça le problème. C'est qu'il n'est pas monté en haut du sommet le puits de Sancy, il est passé un petit peu en dessous. Donc c'est un petit peu comme si il est arrivé premier au Paris-Roubaix, mais qu'il est arrivé premier en fait à Tourcoing, alors que l'arrivée était à Roubaix. Bon, chacun appréciera, mais en tout cas on a crapahuté grave, avec ampoule pour certains, et bon, tout ça s'est fini par un bon plat de pâtes spaghetti bolo, avec moult perrier et des auvergnats super sympa, ce qui n'est pas coutumier ici. Et là nous redescendons donc vers la station du Mont d'Auray, et ensuite la Bourboule. On a encore 11 km à peu près et ma foi, le moral est pas trop mauvais. Enfin, pour pas dire même excellent. Allez, à tout à l'heure. C'est bon ? Voilà. Il y aura la photo qui sera deuxième. Parce que j'aurai des deuxièmes. J'ai cassé la gueule. Je crois que ça sert vraiment du con. La neige de printemps. Mac, ton cœur. Qu'est-ce que t'as à dire à Marielle? Qu'elle me manque? Je pense que là on fait la crête. On ne monte plus puisqu'on est sur cette speed là. Les deux. Soit vous faites le plus court, soit on fait plus court, soit on fait plus long.
Non, mais la réponse elle est dans la question. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez le plus court, bon, on fait celui-là. Bah, je sais pas, non. Les deux sont beaux, les deux mènent au lac. Donc, c'est un peu con. Si la panotage est réelle, 1,5 km, on est prêts, non? On est prêts, hein. Je pense qu'on va pas lésiner là-dessus. Là, regarde, c'est carrossé, c'est bien. Quelle équipe, une bonne équipe. Alors, mardi 13 juin, après une nuit bien confortable à l'hôtel Regina, qui était quand même un peu plus luxueux que la yourte initialement prévue, nous sommes partis de bon matin pour rejoindre donc notre point d'arrivée, Vulcania, et fin de ce GR30. Comme vous pouvez l'entendre à mon souffle, on a attaqué dans le pendu avec une bonne petite grimpette, mais un paysage magnifique, avec derrière, tout au fond là-bas, le puits de Sancy, où nous étions hier. Pour certains en tout cas. Et voilà, on continue, là on va arriver à notre altitude de croisière pour rentrer sur Vulcania, 1400-1300 mètres, et ma foi, dans la bonne humeur, c'est top, super GR, super super GR. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière? T'as vu ta cloque, François? Pour y accéder, pour faire ta piste de ski de fond, je sais pas comment tu fais. Tu fais ta grimpée dans le bois avec tes skis. Ah mais il y a une route, il y avait une route là-bas à gauche. Ah, il y a une route qui mène. Je pense qu'il y a un truc. Ce serait dommage de pas profiter de ça. J'espère qu'ils vont pas nous faire passer là. J'ai vu que final, il n'a pas arrivé. C'est quand même dommage, mais quand on retrouve Jean-Pierre Calvet, les commentaires. Tu verras, Max, je te prouve que t'as tes fourmis. Puis là-haut, c'est tout petit. Je dis, bon, Max, il est loin. Bon, les autres, ils ont explosé. Mais non, mais Max, on l'a doublé en fait au moment où lui, il était descendu au téléski. Nous, on a coupé et on a vu Max au début du téléski. Oui, donc, on a doublé, vous êtes pas passé devant. Je veux dire, on a. Alors. À gauche. Moi aussi, de temps en temps. Ça va? Hein? Ça va bien? J'avoue que. Bah, t'es prêt? Est-ce que t'as refermé? T'es prêt à démarrer pour le sprint? Non, quand tu veux refermer là, c'est que. Ça me fait suer parce que j'ai doublé. Bon. Mais bon, non, j'ai décidé d'arriver à 4. Je pense que c'est la bonne solution. La sagesse. C'est le choix le plus sage. C'est la sagesse. Oui, moi j'en ai assez dit. Ça va, les gars? Moi, c'est plein de forme. Plein de forme. Il y a de l'air. Je suis avec mes potos. Je suis heureux. Bah, moi, je vais faire comme Louis. Moi, je vais bien aussi. J'ai mal, mais je vais bien. Et puis, tout se passe bien. Et on voit le puits de Dôme qui est là-bas. Il y a encore un peu de. Allez. Bah, je m'étais aussi prêt. Il y a encore une roue de. Il fait chaud. Il fait très, très chaud. Allez, il y a son parrain qui est derrière moi. Je l'embrasse. Il y a Marie qui vous embrasse.
3 km de Vulcania, donc le GR tire à sa fin. Bon, il est 8h moins 20. On est parti à 6h ce matin. Et on est tous au bout du rouleau. Les pieds ressemblent à probablement à des boules de pus ou de sang, tellement ça fait mal. Mais bon, on n'a jamais été aussi près de l'arrivée, et il est temps que ça se termine. Parce que on a échappé à l'orage de peu. On a essayé de meubler en discutant, mais ouais, la douleur, ça ne retire pas la douleur. Donc voilà, écoutez, prochaines images dans quelques minutes pour l'arrivée. Allez, bisous. Confirme, on n'est plus très loin, 2 km.